Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Allen TV. C'est toujours un plaisir pour informer une bonne semaine d'information. 15 personnes mourir, 8 personnes disparaître, 7475 familles sinistrées, 1219 cas inondés et environ 13390 personnes qui étaient caillées. C'est bilan provisoire DGPC. Département qui plus touché, c'est l'Ouest, Nip, Sud-Est, Nord-Ouest, Accent. 5100 cas affectés et plus passé 2539 déplacés. Bon, l'autre bon matin, lundi 5 juin, bilan au Vinpi plus d'après des GPC qui fait connaître. Il y a 30 personnes qui mourent en tout, département de l'Ouest, il y a plus de victimes, côté 21 personnes parmi 30 personnes qui mourent, accident, il y a 7 personnes. MENFP dans tête collée avec direction curriculum et qualité organisée en atelier sous validation 4 productions livres uniques. 3e et 4e année fondamentale, journée lundi 5 juin 2023. Te gagne plusieurs présentations qui fait sur le livre unique là. Conception et langage lié sur choix créole pour écrire livre unique là à apprendre et les vieux. Et puis présentation cadre élaboration livre unique. Bateau qui portait nom Métropole qui assure transport Marigon, ça pite la fin naufrage samedi 3 juin 2023 passé là. Après le film monté sur récif, bilan provisoire, yon moun mouri 10 lots sorti vivant. Pon ki mouri yon gen pou non, William Scholl, d'après ça, Julie Deronet, qui se responsable communication et protection civile Marigou a fait connaître, pour connaître l'autorité yon continue à faire recherche. Pendant le week-end, yon se plusieurs centaines de citoyens qui foulent les béton dans la commune Moui. Côté objectif mouvement, c'est pour demander la justice avec la police dans Saint-Marc qui a libéré Jean-Julio n'a rappelé la police dans Saint-Marc qui a arrêté. Pour présumer l'implication de l'assassinat, il met André Charlius. Nous tournons après pause là pour le développement de la Sahara Camp Pilote. Nous retournons après pause là, messieurs, bienvenue dans le développement journal. Dans le bilan provisoire direction générale protection civile présenté hier dimanche, dans le mauvais temps qui passe à Haïti, 15 personnes mourent, 8 personnes disparaissent, 7475 familles sinistrées. 1219 cas inondés et environ 13390 personnes qui étaient caillées. Département qui plus touché aussi l'Ouest, Nip, Sud-Est, Nord-Ouest, Accent. 5510 cas affectés et plus passé 2539 déplacés. Et l'autre bord, matin lundi 5 juin, bilan revient plus d'après DGPC qui fait connaître 30 personnes qui mourent en tout. Département l'Ouest là, gen plus victimes côté gen 21 moun parmi 30 moun qui mouri ou accident qui gen 7 moun mouri. Pour koun gen a gen yon centaine moun qui pa gen côté pou rete. Jardin ravagé bèt ale nan de l'eau population zone sa yo qui touche en pile. Mande sekou ak gouvernement en place là. Haïti Education, ministère éducation nationale ak formation professionnelle nan tête kole ak direction curriculum ak qualité. Organisé un atelier sur validation 4 productions livres uniques 3e et 4e année fondamentale, journée lundi 5 juin 2023. Tu as gagné plusieurs présentations qui fait sur livre unique ça, conception avec langage lié. Sous choix créole pour écrire livre unique là et apprendre les vieux et puis présentation cadre d'élaboration livre unique là. Ministère a raffiné volonté pour bailler une bonne éducation qui gagne qualité en Haïti. Jean Saint-Jean et Kervin Loriston sont présents pour Allen TV. On suit que Jean Santé. Partenaire dans les affaires production livre, mais également partenaire financier qui est là ensemble avec nous. Donc, gros bonjour pour nous tous et bienvenue dans l'atelier ça qui permet que nous élaborer des outils qui pourraient aider le ministère ensemble avec les partenaires privilégiés dans le la maison édition. Qui pourra aider nous préparer livre unique pour 3e avec 4e année fondamentale. L'école moins belle, l'école moins aimée, en pile en pile. L'école moins, dans l'école moins, vous montrez en pile belle bagarre. La disponibilité de manuels scolaires répondant aux normes est l'un des facteurs déterminants d'une éducation de qualité. En ce sens, on se rappelle bien que le ministre de l'Éducation nationale s'est déjà engagé depuis 2015 dans le chantier de la promotion de production
et d'utilisation de manuels scolaires uniques par classe pour les deux premiers cycles de l'école fondamentale. Chers participantes, que le ministre, le professeur Nesmi Maniga et moi, directeur général du ministère de l'Éducation nationale, comptons sur le professionnalisme de l'équipe dans la tâche qui vous est confiée. C'est ainsi que Jodia nous capable de dire qu'il y a deux formats de livres uniques qui coexistent dans le pays. Premièrement, il y a un livre scolaire unique, format papier, et puis nous gagnons livre unique numérique. Et livre scolaire unique, format papier, eh bien, dans qui procédure nous avons utilisé pour nous mettre en place? Premièrement, nous avons réalisé un atelier qui a réuni cadre dans le ministère de l'Éducation nationale avec maison d'édition. Et deuxièmement, après l'atelier, nous avons élaboré un cahier des charges que nous avons soumis à maison d'édition. Et maison d'édition a été produit premier spécimen et livre unique. Et ensuite, nous avons évalué et nous avons fait des recommandations à maison d'édition. Et lorsque les recommandations ont été prises en compte, eh bien, nous avons procédé à homologation version corrigée. Pour quelle raison le débat ça? C'est parce que certains membres de l'Académie ont constaté en pile fois, c'est celle résolution autographe créole yo, professeur Metcho Gename yo comme livre créole dans le pays. Ça, c'est pas, il n'est pas possible comme ça. Et nous demander pour Metcho Gen matériel créole yo besoin de café travail yo. Et puis tout, et moun kap enseye en créole yo, faut yo maîtrise langue créole là, ok. Pour ça, faut que le ministère de l'Éducation nationale mette programme formation à l'école normale sous didactique langue créole. Mais ce n'est pas seulement sous didactique langue créole, sous didactique enseignement en créole tout. Parce que, en pile fois, nous constatons, et si je me songe, tu as une année, tu as un élève, tu as fait une grève et manifestation dans la rue pour examen mathématique ou te bayo en créole. Et les gens vont comprendre l'examen mathématique là en créole. Et ça, c'est un problème parce que Jean, le produit test créole là ne pas correspondre avec façon élèves yo parler créole dans zone ça. Et pour moi-même, c'est un gros problème lié. Et nous constatons, même dans le niveau université, en pile fois, étudiants lit et un texte en français, là où vous demandez qui ça vous comprenez le texte là, eh bien, vous découvrez qu'un pile contre-sens, ça vous lia, c'est pas ça de capable de dire ou en créole. Et ça, c'est ce que je constate chaque jour dans le cours, je fais dans l'université dans le pays. Dans le cadre livre unique et ministère à plan, c'est jeudi, l'Académie créole haïtienne est content. Et pour des outils, ça, de, alors, il y a trois outils. Nous avons référence qui est dans le coutume académique. C'est la deuxième résolution qui paraît. Donc, nous avons plaisir pour nous dire non. Et la deuxième résolution paraît. Elle valide déjà dans le conseil académicien. Nous allons parler rapidement sur ce processus-là. Et elle a sorti officiellement en juillet 2023. Et je dis tout que l'Académie créole haïtienne a gagné dictionnaire, un grand dictionnaire général qui n'a couti. Li gagne un dictionnaire juridique qui n'a couti tout, et puis li gagne un grammaire général qui n'a couti. Donc c'est des outils ça yo kap vini corré
travail ça ministère a fait pour lancer enseignement en créole. Dossier société mauvais temps qui passe sur Haïti pendant weekend dans la cause car choléra yo vinn pi plis. Si tout dans département si de sa grande danse plaisir car si il y a 4 monde qui mouri dans des départements si là yo. D'après ça autorité sanitaire fait connait. Toujours pendant passage mauvais temps ça secteur agricole la touché en pile dans département grande danse. Centre nord-est à l'ouest côté plusieurs jardins ravagés dans au moment côté grand coup critique en pile dans dans pays là. Gaspillage si là gagne en pile risque pour affecter secteur économique là qui déjà a dégradé. L'autre information dans 4 journées internationales environnement plateforme organisation haïtien droit moun yo souligné pour faire connait dégradation environnement c'est irresponsabilité l'état envers population hein, qui va jamais prendre aucune décision pour gérer plus bien déchets plastiques. Ça porte en pile conséquences négatives sur vie population hein, mettez soit absence politique qui va gagner pour protéger environnement côté population hein, a fait tout besoin sous fatra. Sans compter situation inondation par rapport à la pluie qui tombait 3-4 juin 2023 pour augmenter sur la misère et insécurité. En suivant Valérie Pierre Villus pour plus de détails dans le micro Franklin Pierre à Kerwin Pierreville. Le PHDH a mené sur question droit environnement sain. Droit environnement sain qui est un droit monde et fondamental, essentiel à jouissance ou ensemble de l'autre droit, tant que droit à la vie, droit à la santé. Jean Constitution haïtienne dans l'article 253. Et il faut que nous disions, pour journée mondiale environnement, ça thème qui retenu c'est solution et gestion plastique. Donc ça veut dire c'est nécessité pour que au niveau de l'État il y ait des dispositions qui prend pour combattre question plastique qui c'est des gros menaces pour l'environnement, c'est des gros menaces pour la vie. Alors, objectif conférence matin, c'est d'abord pour nous attirer attention sur et dégradation situation environnement dans le pays. Situation environnement qui a dégradé chaque jour. Puis plus, et ça lié au fait que il y a une absence de politique publique pour protéger l'environnement. Absence politique, ça a fait pays à devenir plus vulnérable face à phénomène naturel. Qui fait que n'importe si la pluie qui tombe dans le pays a provoqué grosse inquiétude, il provoqué grosse tête chargée dans la population. Et mettez sous ça, ou bon l'État qui n'a pas aucune disposition pour gérer même fatra dans le pays a. Je dis à Port-au-Prince tourne en dépotoir. Côté mon a marché sous fatra. On a fait business sous fatra, on a mangé dans fatra. Et même ça, l'État n'a pas pris disposition pour le gérer. Et ça a montré dans quel niveau l'environnement est sous la grabat, aujourd'hui. Et on a profité de la situation, après on a parlé de dégradation environnement, pour voir sympathie par les familles et les paysans qui sont victimes de la pluie qui sont tombées là, sorti trois pour arriver. 4 juin en dans pays. Et la pluie ça il fait des gros dégâts dans diverses zones tant que Léogane, Tigouave, Mapou dans Sud-Est. Et dernier bilan protection civile bail sous question ça il fait mention de 15 moun qui mouri, 8 lots qui ta disparaître et gagné et 7475 familles qui sinistrées, gagné 13390 moun qui déplacés, gagné 1219 cailles qui inondaient, sans compter bêtes paysans qui mourent, sans compter jardins paysans qui ravagés. Et dans le contexte déjà, côté population, tu déjà dans l'insécurité alimentaire. Donc, situation ça, il risque d'aggraver la situation grand bout, la misère qui gagne dans le pays. Et ça qui passait là encore, c'est résultat. L'État m'en fout bien qui pas prend aucune disposition pour protéger la population par rapport à la question ça. Toujours dans quatre dossiers, si la secrétaire exécutif POHDH, l'Hermie Pierre Villus, mandé pour la population arrêter vigilant face à ce phénomène dérèglement climatique là qui la cause chalet vient augmenter, puis boire qui était racine et la trier.
qui par l'autre conséquence modèle économique, l'État a pas appliqué ça qui la cause, animaux a mouru et puis disparaître, sans aucune disposition par jambes prendre pour soulager la population, hein, et spécialement paysan. En même temps, POHDH profite dénoncer politique pompier qui pas suspend appliquer par gouvernement chaque fois qu'il y a une période cyclone ou bien catastrophe naturelle. Plus explication, toujours dans le micro Fadlin Pierre qui est à Winterville. Exprimer préoccupation nous sous un phénomène qui c'est dérèglement climatique là. Mais changement climatique là et qui sont phénomènes réels et phénomène ça il ses conséquences qualité modèle économique cap appliqué et modèle économique ça yo qui pas mettre moun au centre des intérêts qui mettait plutôt et m'ta capable dire l'argent fait quoi au centre d'intérêt et ben yo menacer la vie. Ils ont menacé l'environnement et je dis, on n'a pas assisté à phénomène de dérèglement climatique là. Côté grand sans pied bois, endémique qui déraciné, côté gagner des animaux qui mourent, côté gagner des espèces qui disparaissent, côté chalet a augmenté. Donc son situation, je dis, a grand pile monde dans monde là qui a réfléchi sur lui et nous elle bon côté par nous l'État à travers les ministères, par des préoccupations, par des dispositions qui prend par rapport à la question de ça, pour qui gens agissent par rapport à la question de ça, qui qualité aide, qui qualité support pour porter à la population, particulièrement à paysans, parce que le phénomène ça a des grosses conséquences sur le travail fait jardin, l'agriculture. Donc, nous-mêmes dans le POHDH, nous croyons que la bataille pour l'environnement, c'est bataille pour la vie. Et le droit environnement, son droit transversal, son droit essentiel. Là, on a parlé des questions environnement, on a parlé des questions droit monde, parce que nous-mêmes, nous croyons que son droit monde, son bataille totale capitale liée. Qui donc, l'État a une obligation pour protéger l'environnement, qui c'est un cadre pour permettre la vie fleurie. Et nous déplorons le fait que le gouvernement de facto a réagi pendant 22 mois. Question ça, qui c'est des questions essentielles, qui a fait débat à travers le monde là. Cap réfléchir, vu menace représentée sous la vie, nous déplorons le fait que notre gouvernement n'a pas aucune disposition qui prend par rapport à la question ça. Au contraire, nous avons une situation environnement devient plus grave, qui décrète même plus sous gouvernement de facto Ariel Henry. Dans ce sens, pendant que nous voyons sympathie par les gens qui sont victimes, mais nous avons demandé aux populations pour les être mobilisées. Pour exiger l'État pour disposition pour faire respecter le droit environnement. Mais surtout, nous avons dénoncé la politique pompier qui a pas appliqué dans la tête de l'État chaque fois qu'il y a une période cyclone. Mais plutôt, nous avons appliqué une politique préventive qui est capable de permettre à la population de faire face à événements naturels qui chaque jour peut se transformer en catastrophe. Nous sommes arrivés pour faire un deuxième camping. Nous sommes branchés. Nous retournons à la deuxième pause, messieurs dames. Merci pour la fidélité à Kailen TV. Bateau qui porte le nom Métropole qui a assuré le transport Marie-Gouron-Sapit l'a fait naufrage samedi 3 juin 2023 passé. Après le fin de monter sur le récif, bilan provisoire, il y a un monde mort, 10 autres sont vivants. Le monde qui mort, il y a un pour nom Wilner Scholl, d'après sa Julie Déronette, qui est responsable de communication et de protection civile Marie-Gouron, fait qu'on est pour qu'on ait autorité ou à continuer à rechercher. Haïti Société, plusieurs militants campés debout devant Faïs dans Delma 75. Dans le cadre de la City, nos objectifs pour porter solidarité avec le nouveau directeur Faïs, qui est Fonds Assistance économique et sociale pour la Voltaire, qui est qualifié comme un citoyen qui est honnête, crédible. Un autre bon militant, ça a dénoncé Charles Leslie Mozart comme un cap discriminé le nouveau directeur. Plus de détails dans le micro Franklin Pierre, à Brice Blanfort. La présence nous la matin, c'est pour nous capables de porter une réponse formelle à Moza. Moza qui est lié, Jean Confrère l'a expliqué. Si nous avons fait résumer Moza lui-même, waouh, journée va suffire pour nous parler. Il n'y a pas de bon passé. Depuis le week-end, il a lancé le matin, jeudi, lundi, il a fait frapper Faïs. Nous tellement saccagés. Moi, ça vous compte, comme il dit, nous avons un message pour nous. Il a fait nous.
pour faire concession avec nous, pour demander nous, qui j'en comment nous faire le jeune avec chef là, pour le jeune parle. Ça veut dire que ce n'est pas un pays qui a fait. Son vicier, son grand goût. C'est là qui a passé, qui est très laid. Donc moi-même personnellement, comme responsable de CVPAD, je ne suis pas souvent entré dans le mouvement ça. Mais là, je garde un citoyen paisible. Donc Paul Harry Voltaire, son nègre qui rive sous monde qui pi mal au niveau quartier populaire yo nous chaque qui là ça qui sorti belé ça qui sorti soufort nous chaque qui là nous sorti son côté différent donc nous avons ensemble des projets des programmes nous en pour parler avec chef là pour nous river tout quartier populaire yo pour nous river sous monde qui pi mal yo parce que nous mêmes c'est social là c'est travail social chef là faire un pelage avec lui Moza toujours dit c'est un gros militant nous c'est petit militant il a toujours passé sous tête nous pour chercher un contrat, c'est chaque ministère, directeur général. Moi, j'ai toujours fait ça. Mais il est toujours là ici. Mais nous-mêmes, nous toujours à terre. Je ne choisis pas nous mettre toute face nous. Comme ils dit, c'est 10 militants nous, qu'on y a 10 militants révoltés contre gros militants qui ont fait nous abuser. C'est ce que je dis, nous frappons bien nous à terre. Nous disons non. Comme yote pour yote dit c'est petit nous nous même n'a montré Moza que nous pas petit nous kon goumé bon pas femme kon goumé 11 18 nous kon goumé jeunesse révolté nous kon goumé militant 38 kon goumé nous tout kon goumé n'a bataille jusqu'à l'infini nous mandé PM Ariel Henry comme ministre AI ministre de l'intérieur nous mandé de se volter comme directeur cabinet ministre PM Ariel Henry pour reler monsieur Moza pour le bail rapport qui sa machine ça fait dans l'arrière c'est pas ils avaient connu kidnapping qui ça l'a fait pour prendre machine ça en bas derrière Moza service ministère intérieur gain service qui paye machine qui besoin machine voler 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 voler. Dossier santé, combien de 100% organisé en collecte sang dans le local PNCS là dans objectif pour sensibiliser plus donateurs de sang. Dans l'activité, c'est la coordonnateur général PNCS là, Gina J. Delato, félicité l'initiative ça, combien de 100% organisé. Et puis féliciter tout employé PNCS qui répond à la demande combien de 100% pour aller encourager plus de monde à le sang pour sauver plus de vie. En suivant l'intervention coordonnateur général PNCS, là, Gina J.A. de la Tour, dans le micro Gerdy Barthelmy, à Kerwin-Perville. Et les combien de 100% ont approché nous pour dire que vous voulez passer dans PNCS pour et faire un collecte de sang. Nous-mêmes, nous avons dit que ça, lui-même, ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons répondre, c'est surtout employés qui connaissent que ça intéresse. Et ça, tout employé était d'accord sur la question sang, il était pas tout employé. Employé, en pile employé, parce que et d'après ça, combien de 100% dit nous, que ils jouent et assez de pochettes. Et ça, ça montre que l'activité a réussi, ça montre que mon yo commencé à comprendre qui sa question sang. Parce que son, ça nous fait aujourd'hui là. Et que combien de 100% vini faire li passer et faire collecte de sang au niveau de PNCS et joindre des volontaires qui répondent avec et pour yo bay sang. Donc ça c'est vraiment à féliciter et moi féliciter chaque grain employé, chaque grain monde qui est participé dans collecte ça parce que ça nous pas connait dans question ça ou pas connait qui leur a besoin ça ou pas connait qui leur a besoin ça et gen monde qui grand yo pas même connait groupe sanguin yo. Et il y a un pile avantage de baissant ou qu'on a un groupe sanguin ou, et puis ça permet que vous bénéficiez de certains examens aussi. Et ça permet d'aider la communauté, c'est ça qui est important. Parce que les gens, depuis que vous faites, vous pouvez j'aime vraiment utile la communauté. Si vous avez un pochette sans, vous pensez que vous faites un pile de pour la communauté et vous êtes fier de tête. Bon, pas aujourd'hui, je crois que hier, et combien de 100% est passé, vous dites que passé faire un collecte de sang. Et yo employé yo té ouvri pour recevoir et combien de 100% et yo fait ça à deux bras et c'est ça qui fait les nous té yo té approché nous pour té dit nous yo voulez passer au niveau de PNCS et me té dit clairement ça pas dépend de moi ça dépend de surtout des employés yo
et n'a regardé comment yo recevoir ça et yo recevoir ça avec beaucoup et d'enthousiasme et nous inviter tout le monde et accueillir et question sang pour tout le monde entrer dans question collecte de sang parce que c'est important dans un pays côté mon a fait accident mon a et mouri avec anémie tout et tout et des fois mon yo konn besoin sang yo pas ka joindre yo konn besoin sang y a chercher et des volontaires pour aller bay sang pendant que yo besoin là yo pas même ka joindre donc et me pense que si nous aider enrichi banque de sang en Haïti ça li seyon et bagarre à considérer. Yolande Boy une responsable combien de 100% souligné pour le dire activité sa fête dans l'idée pour répondre par rapport à des membres yo joine pour sang pendant l'année pour que j'aime gagne satisfaction même yon cas. C'est pour ça vous voulez servir un modèle dans faire collection dans diverses entreprises parmi eux administration publique là et la tri ça cap permettre plus vie sauver dans baissant. On suit Cassandra Jean-François toujours dans micro Gerdi Barthelmy à Kerwin Pierreville. Eh ben on déjà commencé par dire que Combit 100% qui c'est une structure dans société civile là qui justement dans cadre d'activité ça a travaillé en partenariat avec PNS et Centre national de transfusion sanguine. Alors pour tout le monde qui attendait, faut dire que depuis quelque temps c'est Centre national de transfusion sanguine CNTS qui dans bureau Digicel là, c'est lui-même qui gère question ça dans pays hein. Donc dans le temps c'était la Croix-Rouge, donc jodi an c'est ensemble avec yo qui c'est organe l'état que nous avons fait collecte ça et en partenariat avec PNCS qui c'est programme national de cantine scolaire. Il y a une bagaille qui est très important pour nous-mêmes au niveau de Combit 100%, c'est vraiment créer un modèle. Et modèle là jodi an li commencé avec PNCS. Question an c'est qui ça? Gen an pile moun jodi an là et chaque jour qui passe qui a mouri dans pays an parce que yo pa ka joine bout de sang. Et me pense nous tout qui sur réseau yo nous toujours wè gen des affiches qui circuler yo besoin sang. Maintenant qui ça donné yo di? Donné CNTS yo que me saute dit tout à qui c'est Centre national transfusion sanguine, yo dit que par rapport avec demande que yo joine en produit sanguin par année yo poko jam arrive satisfè moitié là-dedans. Demande sa yo, yo chiffre yo entre 60 et 80 000. Donc ça qui vle di ki sa, nou gen près de 20, 30, 40 000 moun nan peyi an. C'est des moun ki malade, tant kou nou konnen gen an pile accident ki ap fèt chaque jour nan peyi an. Gen yon moun ki a pa couché tout tan, fanm ansènt yo, yo gen dwa nan situation kote yo bezwen sa. Gen yon moun ki gen maladi kronik yo, moun ki gen kanser et la triye, donc gen paket raison ki fon moun gen dwa bezwen sa. Et yon nan bagay nou remè di, c'est que tout moun an au moment nan vi yo kapab bezwen sa. Maintenant, lò gen tout quantité moun sa yo, ki lò yo bezwen pochette sa, gen possibilité pou yo perdu la vi yo, nou même nou wè yon problème, mais nou wè yon opportunité. Et nous dit comme ça on garde administration publique là on garde institution privée et tout qui gagne force de pays en là-dedans yo force de travail pays en là-dedans yo c'est-à-dire c'est en pile fois des monde qui en santé qui a travail qui a réglé toute activité yo et ben monde ça yo qui ça qui a fait pour yo contribuer dans question bail ça. Haïti politique coordonnateur général Fournod la Rosemont Jean qualifié comme diversion sanction ancien premier ministre haïtien Laurent Lamothe joint en bas main département d'État américain pour détournement 60 milliards de dollars américains fonds Petro-Caribé dans affaires privées. Samedi 2 juin 2023, coordonnateur a dénoncé attitude ça et puis fait connaître décision si là c'est dans objectif pour détourner attention sur dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Après plusieurs révélations Rodolphe Jean fait dans quatre dossiers si là. Plus de détails dans micro Franklin Pierre à Kerwin Perville. Mais nous dit dans cas Jovenel Moïse son combat continue, combat pral jusqu'au bout. Mais ça qui attire l'attention nous, qui est spécialement poussé nous faire conférence matin, hein, c'est diversion département d'État créé dans dossier assassinat Jovenel Moïse côté Livinap, li créé une stratégie. Département d'État créé une manœuvre pour faire diversion, dans le même jour, le tribunal a annoncé sentence ou Dolja, et puis ce même jour, tout département d'État, tabre café, tabre bien, tabre champagne, avec Laurent Lamothe, il a le dossier Laurent Lamothe, il a le bao, en façon pour nous occuper de Laurent Lamothe, pour nous ne pas tenir compte des dénonciations j'ai fait devant le tribunal fédéral Floride. Parce que le tribunal là,
d'après document, d'après journal, sa journal rapporté, c'est que Jat a fait, t'as baillé des indices, t'as fait des témoignages pertinents, palpables, qui établit l'implication du gouvernement américain dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc on a toujours dit, pas aucun voyou, pas aucun délinquant avec l'argent, qui aurait les oligarques corrompus, senti, quel qu'en soit dans le taguen, t'as pris la chance d'une assassiner un président dans le Caraïbe, sans l'aval administration américaine. Eh bien, les gens ont déclaré, s'il pas de gagner plein confiance, si yo pas de balle garantie, il pas de confiance totale, et yo pas de promettre li confiance totale, les États-Unis, li pas de participer dans le complot. Il dit ça que fait participer, c'est parce que yo dit, yo gen soutien total les États-Unis dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Et preuve flagrant, preuve réel, yo palpable. Comment les États-Unis d'Amérique capable épanier Zelensky des 10 tentatives d'assassinat en Europe et puis dans moins de mois, département d'État dit, la CIA, FBI dit, y a déjoué 10 tentatives coup d'assassinat, tentative d'assassinat pour Zelensky. Président ukrainien, qui joue en Europe, alors que pour y a planifié assassinat Jovenel Moïse, nous n'avons pas porte Maison Blanche. On va arriver pour une fois troisième campé. Vous êtes branché, Neptune. Nous retournons après troisième campé. Messieurs, dames, je n'ai pas la vraie possible. Merci parce que vous êtes branché. Haïti politique, mouvement cri national dans tête collé à Kalye, yo voye jete dialogue inter-haïtien qui pral tanmè nan pays Jamaïque dans l'idée pour joindre un consensus parmi yo qui si organisation élection dans pays a. Un autre bon cri national fait connait PM Ariel Henry pa gen légitimité pour organiser élection dans pays a. En même temps, cri national qualifié si la qui décide à Jamaïque comme moun qui indécent et puis qui al des mou sou ganto pa yo. Léonard Jean Renalno pour plus de détails dans micro Franklin Pierre à Kerwin Perville. Moun ki pral Jamaïque yo, moun sa pral défendre intérêt population. Plan kolon yo, pays impérialiste yo. Yo konnen si yo fixe rendez-vous avec Ariel pour en pile leader politique yo pa pral aller. Et ça fait choisir Jamaïque pour y aller. Pour moi-même, c'est vraiment indécent pour un leader politique, un monde qui dit la faire politique pour le pays, pour accepter Alchita avec Ariel. Ariel, tout le monde connaît qui est Ariel. 22 mois, Ariel passé sous pouvoir. Quand c'était le monde qui mourit, en Haïti, pays qui en guerre, pas gain tout moun sa yo pou mouri. Présence Ariel en dan pays a, la vie a li vin plus cher, moun yo yo gen difficulté pour yo manger. Ariel li moute gaz la, tout produit première nécessité yo yo vann plus cher. Ariel se yon nan moun ki gen mission pou ke li élimine pèp ayisyen. Donc, moun ki pral Jamaïque yo, ki pral chita avec Ariel, pour nous-mêmes c'est tout à fait indécent, c'est parce que moun sa yo semble y a Jamaïque pour y a chercher moso gato payo. Ariel dit la fait élection dans l'année 2023. Je dis à nous en juin. Qui côté élection pral fait dans l'année 2023 ça? Ariel, c'est un monde qui a continué à faire peuple à mentir. Moun qui a utilisé Ariel, yo, yo juste yo pour rendez-vous Jamaïque pour que yo yal fait ou yal force moun yo pour yo. Est-ce que un monde tant que Ariel, qui a organisé élection dans pays? Nous disons non. Nous-mêmes dans cri national,
et toute l'autre organisation qui est affiliée avec nous, nous dit non, non, pas dans l'élection avec Ariel. Nous dit non, nous pas parler Jamaïque avec Ariel, parce que Ariel, c'est un criminel notoire, c'est un monde qui crase le pays qui pays dans l'Italie aujourd'hui. Haïti Education Weekend Scientifique, c'est une activité diverses étudiants dans l'INASMO organisée en baptême, Université Espace de l'Innovation Scientifique pour une Société Prospère. Dans cette activité, c'est la étudiant dans diverses facultés exposées talents parmi les étudiants en génie civil, de faire diverses réflexions et puis proposer nouvelles configurations pour zone métropolitaine, pour ne citer ça au seulement. On suit comment ça va dérouler dans mes collègues de Barthelmy à Kerwin Perville. Et nous parlons de l'activité Weekend Scientifique, c'est qui s'allie. Weekend Scientifique, c'est une activité côté que UNASMO met disponible pour que étudiants qui étudient dans l'université capable d'exposer talent, montrer savoir-faire au grand public. Donc, dans Weekend Scientifique, il y a toujours des expositions qui sont faites avec étudiants qui sont dans chaque faculté indistinctement. Étudiants qui sont en génie civil, il y a possibilité pour réfléchir et pour proposer de nouvelles configurations pour zone métropolitaine dans ça que on fait dans génie qui passé yo. Par exemple dans weekend scientifique qui passé déjà yo, nous gagne un groupe étudiant en informatique qui était et réfléchi travail pour proposer un système de vote électronique. Et système de vote électronique ça, c'est un système côté que les yon moun et fin voter toute information yo disponible sans nous pas passer par dépouillement et puis n'a une information et sans qui capable éviter une série de doutes qui qu'on gagne après chaque dépouillement, mais surtout doutes qui pas même doutes rationnels, mais c'est surtout étudiants qui c'est des chercheurs, yo fait recherche et puis yo dit bon mais qui ça me capable offrir à pays hein, qui capable participer dans prospérité avec développement pays a. Année ça thème et qui choisi pour weekend scientifique là, c'est université espace de l'innovation scientifique pour une société prospère. Là nous dit université espace de l'innovation scientifique pour une société prospère, nous ouais c'est à nous-mêmes étudiants, à nous-mêmes jeunes chercheurs qui doivent aller faire recherche et puis proposer une série de sortes de sorties de crise à pays. Parce que si, et nous prenons exemple, société française là avant 1789, si pas gagner des intellectuels comme Voltaire, Diderot, Rousseau, qui t'ont fait et ça y aurait le mouvement des Lumières, qui t'ont réfléchi et dit la France pas qu'à vivre comme ça, faut que nous réfléchissions ensemble, proposer des solutions, pas d'abgayer la France, je dis, et nous-mêmes intellectuels haïtien yo chercheur yo nous dit si nous pas collaborer ensemble Haïti a prêté dans situation liée et ça nous sentit c'est de droit et devoir pour nous contribuer au développement et prospérité pays. L'autre information pendant le week-end, c'est plusieurs centaines de citoyens qui foulent le béton dans la commune Montoui. Côté objectif mouvement, c'est pour demander la justice avec la police dans Saint-Marc. Libérer Jean-Julio n'a rappelé la police dans Saint-Marc et arrêté pour présumer l'implication de l'assassinat et mettre André Charlius. Correspondant dans l'Antibonite, Daniel a présenté un reportage. Yo, c'était plusieurs centaines de citoyens dans diverses zones de la commune Montoui, Delige Pierre Payen, qui manifestaient dans l'idée pour demander autorité la justice libérer Jean Julio. N'a pas rappelé la police dans le niveau Saint-Marc t'est arrêté pour présumer assassin dans la mort de Maître André Chalius. Dans l'occasion, diverses citoyens qui étaient prêts la parole, sitôt organisation Femmes Vaillant pour développement commune Montoui, déclaré Jean Julio sans notable, li pas impliqué dans la mort de Maître André Chalius. Justice pour Julio, demander libération pour Julio, déléger paquet, donc nous pas chambre. C'est ça nous demander. Justice pour demander. Donc pas quoi Julio dans question tout le monde. Non, non. Julio pas chambre parce que nous tout le monde. Mais pas chambre tout le monde. Justice pour Julio. Justice pour la vie Julio. Justice. Justice pour Julio. C'est ça nous demander. Ma valeur tout est nous, à nous coûte mon chèque, et puis là, tout est nous, mais nous devons. Nous demandons justice pour Julio. Si Julio va la gasser, maintenant descendre. On finit la balle. Nous mettons vous délivrer moi. Délivrer moi, mais vous délivrer. Nous mettons vous délivrer.
L'autre côté, magistrat commune Montouillac était présent pendant tout parcours manifestation, hein, mandé autorité la justice yo pressé libération Jean Julio. Julio, c'est un monsieur moi levé ici, moi joindre ces chapeaux dans la fait. C'est dans médecine la baie moun et santé. Julio pas mandi, il pas mandi, elle pas jamais mandi. Moi connais là la police arrête au monde. Et mais on avait moi, là la police arrête au monde, il 50% coupable, 50% innocent. Ça Julio innocent. Ça Julio innocent. Attendez. Puisque qu'on enquête qu'a vienne mener. Enquête qu'a vienne mener c'est avec population. C'est pour population. Qui sa population dit Julio innocent. Qui sa population dit Julio innocent. Non, mais la justice, c'est ma prenant. Parce que la travail pour population contre qui est-ce qui m'a dit. Julio, son monde qui est malade. Qui est malade dans le pied, il n'y a pas qu'à prendre chalet à la prison. Nous devons souligner, pendant tout parcours, sorti commune Montoui, rivière Pierre Payen, c'était Pentecôte, Namay, Mayo, côté divers citoyens, dans la zone Sayo, t'as demandé libération. Jean Julio, Daniel Daniel, département Latibonite, pour Island TV. L'autre information dans le journal la Société Anonyme Mixam réalisé un table sectoriel pendant week-end lan chita parlé ça te fait non seulement pour jeudi 5 juin qui marque fête environnement pour informer ensemble acteurs yo sur côté site de recharge mon chinette laye en suivant après l'autre magistrat au cap la patte calmon nord magistrat limonade la Claudin Saül dans mes correspondants dans Sid Richmond Joseph pour Allen TV. 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Et nous-mêmes, au niveau municipalité, au niveau centre du groupe 3 Mério, nous avons pris une initiative par rapport à la problématique de gestion des déchets qui est dans la commune, qui est dans la commune. Nous avons décidé de faire un table sectoriel pour nous rencontrer plusieurs acteurs ou un opérateur qui est censé travailler dans la question et la question de la CFATRA ou bien faire la transformation ensemble. Et c'est après que je dis en dépendance, c'est pour créer cette table sectorielle officiellement. Son table, il y a plusieurs institutions là-dedans, comme partenaires, mais tout, il y a plusieurs institutions qui étaient invitées comme petite entreprise dans le niveau privé. Nous faisons réflexion, nous passons en revue plusieurs projets que acteurs ont fait sur le terrain. En même temps, tout, nous venons faire des conclusions pour que nous constituions cette table-là, qui lui-même est en présidence, il y a un secrétariat et bien des membres. Table ça lui-même pour faire qu'il fonctionne chaque jour pour les institutions qui peuvent le faire sur question secteur déchets eau potable et assainissement. Parce qu'il est important pour nous-mêmes par rapport à la problématique fatale que nous avons dans la commune d'Apaïsien et dans l'autre commune et tout. Il était bon pour que nous chita avec acteurs pour proposer des problèmes pour venir avec solutions afin que nous fassions de l'Apaïsien, nous fassions de l'arrondissement d'Apaïsien, si nous mettons comme ça, un véritable espace qui propre, qui belle, que tout le monde a continué à venir et venir enjoy au même plaisir sans problème. Bon, je me dis là, son lancement, côté que nous mettons au niveau conseil d'administration, Samna, nous sommes présents. Bon, moi-même, et la qualité de Maïsia Sahel, qui est le vice-président Samna, est là. Mais en même temps, tout comme municipalité camoise, nous sommes censés assurer la présidence de la table sectorielle. Mais, et j'ai ça que nous avons fait jeudi, lui-même, il parle fait tout dans notre commune, qui sont à l'Imouna, qui sont à Timorin, qui fait partie de Samna, qui va organiser des réflexions autour de la gestion des déchets dans le niveau commune par eau. Ça veut dire que c'est vrai que bon, intercommunalité qui existe entre tout le monde, mais c'est pas fusion que nous faisons. Chaque commune a gagné intérêt, gagné droit pour organiser propre activité par eau dans la question gestion. Acteur participé dans une ONG qui a évolué dans le secteur Sahara, qui l'a et qui a participé avec nous. Et nous avons des opérateurs, tout, des petites entreprises privées qui ont fait collecte de déchets dans la maison et au niveau communal. Quel espoir pour la soudain bien dans le cap de l'année? L'espoir que ça a gagné, c'est que le fait que la table à l'année permet de faire une synchronisation qui fait. Parce que il y a plusieurs acteurs qui ont évolué dans ce secteur. Il y a une parole de l'autre. Ça dépend de ce que je dis à la rencontre, ça a rencontré et il y a une connexion qui s'est fait. Et il y a une duplication. Ça veut dire que si par exemple, un acteur qui a travaillé à la facette, et puis, un autre acteur qui a travaillé à la facette, tout.
Maintenant, après la table, ça nous permet que tous les liens étaient représentés. Nous avons dit que nous avons un niveau mairial, où on travaille la forcette, où on travaille le télescope. Au lieu que ces deux acteurs, même qui travaillent dans la même zone, parce que la cacophonie, ça a passé les vidéos, ils ont fait que même travail, ça a fait au cap là, ils ont fait le tout, quand c'est moi qui ai fait le tout. Parce que je dis, personne monde pas sans savoir et personne monde pas dit ou pas vivre ça au cap haïtien d'ouvrir la donne. Et soit limonade dans le temps, nous pas compte des situations ça, mais à cause de limonade vient à grandir, la population vient à augmenter dans nous, nous venons presque à dans même cas avec cap haïtien avec question fatale. Donc, je pense que sans ça, et ça m'a venu permettre à ce que gagnons une gestion qui a fait plus grand de situation de chéat pour cap haïtien, pour limonade, quartier Morin et même dans l'avenir, l'autre commune dans le département. Nous retournons à propos de la messe dames, si vous faites brancher, vous avez appelé au premier paraître du journal La Fin Bout, mais avant de quitter, vous avez quelques titres pour vous développer. 15 personnes mourir, 8 personnes disparaître, 7475 familles sinistrées, 1219 cailles inondées et environ 13390 personnes quittées cailles. C'est bilan provisoire DGPC. Département qui plus touché, c'est l'Ouest, Nip, Sud-Est, Nord-Ouest, Accent. 5100 cas affectés et plus passé 2539 déplacés. Un autre bon matin lundi 5 juin, bilan au vin plus d'après des GPC qui fait combien? Il y a 30 monde qui mourent en tout, département l'Ouest là, il y a plus de victimes, côté il y a 21 monde parmi 30 monde qui mourent, accident de 7 000. MENFP n'a pas collé avec direction curriculum à qualité organisé en atelier sous validation cadre production livre unique. 3e à 4e année fondamentale, journée lundi 5 juin 2023, te gagne plusieurs présentations qui fait sous livre unique là. Conception avec langage lié sous choix créole pour écrire livre unique là à apprendre élève yo et puis présentation cadre élaboration livre unique. Bateau qui pote non métropole qui assure transport Marigon, ça pite là fait naufrage samedi 3 juin 2023 passé à après le défi de monter sur le récif, bilan provisoire, yon moun mouri et 10 lot sorti vivre. Moun ki mouri yon gen pou nom William Scholl, d'après ça, Julie Deronet, qui se responsable communication et protection civile Marigou a fait connaître, pour qu'on ait autorité ou continue à faire recherche. Pendant le week-end, il y a aussi plusieurs centaines de citoyens qui foulent les béton dans la commune Mouri. Côté objectif mouvement, c'est pour demander la justice avec la police dans Saint-Marc qui a libéré Jean-Julio n'a pas rappelé la police dans Saint-Marc qui a arrêté pour résumer l'implication de l'assassinat et maître André Charlius. C'est là le journal La Cabar. Merci à tout le monde qui t'a suivi. Bonne semaine, toi, l'individu.